Il n'y a pas tout le monde, voilà, en mode globe-trotteur, expat, travail, vacances, voilà. Dans tous ces items-là, je vous compte un peu mon retour d'expérience à vous tous, là, globe-trotteur, expat ou autre, voilà, qui recherchez des informations sur la Réunion. Mais voilà, moi, mon premier retour d'expérience, donc ça fait pas longtemps, mais si je devais retenir en fait des adjectifs qualificatifs pour qualifier la Réunion, là, dans mon propre expérience et à ma propre période, je dirais convivial, sain, simple, chaleureux, environnement, accueil, famille, très important. Donc voilà, je dirais tout ça de la Réunion. Voilà, ils vous accueillent très facilement, très chaleureusement, et ils font beaucoup de repas en famille à la Réunion. C'est comme ça, c'est hyper sympa. Le dimanche, en fait, on les retrouve le long du littoral. Ils sont en famille ou avec plusieurs familles. Ils ont ramené des pique-niques et ils mangent le long du littoral, simplement, voilà, comme ça. Donc ouais, ils sont assez simples, sains, et en plus, ils laissent beaucoup de place, notamment aux étrangers, à ceux qu'ils appellent les oreilles, comme nous. Et en fait, il y a vraiment moyen de beaucoup échanger. Et franchement, c'est une vision de voir la vie très très intéressante à écouter. Alors pour l'instant, je suis dans mes débuts, mais ce sont des gens fascinants et intéressants. Et je pense qu'on peut s'attacher très très vite à La Réunion. Je pense, c'est possible. Mais c'est La Réunion, c'est un voilà, c'est un très beau pays, ouais, c'est vraiment sympa. Et question environnement, si vous êtes un peu sportif et que vous aimez prendre l'air, il y a de quoi faire, hein. Si vous aimez le VTT notamment, voilà, vous avez pas mal de sites à aller voir. Il y a pas mal de choses quand même accessibles en vélo, même si la voiture est très pratique à La Réunion. La Réunion en vélo, je pense que ça peut être sympa parce que sur les plus longs trajets, il y a les transports en commun. Alors c'est vrai que c'est mal desservi, mais sur les grands axes, ça a l'air quand même bien desservi. Donc vous pouvez faire les courts trajets en vélo et envisager les trajets les plus longs en transport en commun. Donc ça, c'est pour, je dirais, le petit plus côté environnement, c'est que ouais, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà. Littoral, si vous aimez nager, si vous aimez marcher, si vous aimez faire le footing, vous allez vous régaler. Si vous aimez le VTT, vous allez encore plus vous régaler. Si vous aimez le surf, mais faut faire hyper attention parce que les requins ici, ça déconne pas et j'en entends parler tout le temps. Même s'il y a la barrière de corail, voilà, il y a des zones où apparemment ils en ont jamais entendu parler, comme des zones autour de Saint-Pierre, jamais entendu parler. Par contre, l'étang salé, il semble y en avoir. Par contre, voilà, donc il y en a quelques-uns, mais bon, moi je suis pas une spécialiste du sauvetage en mer et de l'identification des zones. La Réunion, je connais très peu et trop pas. Mais voilà, je sais que ça, c'est un point de vigilance. Mais après, c'est de la bonne pratique. Et pour avoir été un petit peu sous l'eau, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous éloigner trop de mètres, on va dire, du littoral. Parce qu'en fait, la faune et la flore est très variée. Et rien qu'en descendant en masque palme tuba, vous vous régalez des yeux, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de prendre, à mon sens, trop trop de risques ou de. Voilà, de cibler les zones à risque, on va dire. Mais c'est, voilà, La Réunion, c'est une belle expérience à vivre. Je vous en dirai plus peut-être après ou pas. Je vous dis à bientôt, y est pas.